Ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Buffet avait un marchand, il en avait même deux. Donc je n'ai pas eu le rôle qu'on me prête. J'en ai eu aucun dans Saint-Laurent d'ailleurs, parce que je vous rappelle que je l'ai connu, il venait de présenter sa première collection. Alors c'est pas moi qui lui ai appris à faire des robes, hein, ni des couleurs. Buffet, quand je l'ai connu, il avait déjà eu un prix de la jeune peinture. Et il était un formidable peintre. Alors ne me faites pas jouer un rôle qui n'était pas le mien. Et je ne veux pas le jouer. Non, Buffet, j'ai mis de l'ordre. Voilà, parce que les marchands ont peut-être tendance à déborder un peu. J'ai mis un peu d'ordre, mais c'est tout. C'est tout. Enfin, vous savez, quand un couple vit ensemble, on ne sait pas ce que fait l'un, on ne sait pas ce que fait l'autre. Ou plutôt, on sait ce que fait l'un, on sait ce que fait l'autre, mais on ne sait pas à quel point l'un est indispensable à l'autre et lui permet de faire l'autre. Alors évidemment, si on parle de Saint-Laurent, évidemment, si je n'avais pas été là, on ne serait pas là tous les deux, vous et moi en face à face. Il n'y aurait pas eu cette maison. Mais je tiens à ajouter que si j'avais pas été là, il n'y aurait pas eu cette maison. Je ne sais pas ce qu'il y aurait eu, mais il y aurait eu autre chose. Parce que le génie de Saint-Laurent, même sans moi, je suis sûr qu'il se serait affirmé un jour. Je ne sais pas dans quoi, peut-être le théâtre, peut-être tout à fait autre chose, peut-être peinture, est-ce que je sais. Mais il se serait affirmé. Voilà. Ce qui nous a nourris, qui a conforté notre couple, c'est des passions communes. Des passions qu'il a transformées dans sa profession, ou des passions que nous avons transformées en collection. Par exemple, elle est célèbre, chacun sait l'importance qu'a eu Mondrian, par exemple, dans l'œuvre de Saint-Laurent, considérable, Matisse et d'autres. Il s'est nourri de la peinture, il s'est nourri de l'art. Et puis, vous savez, la vente que j'ai faite chez Christie's après la mort de Saint-Laurent, de toute notre collection, et vous avez bien vu les Mondrian que j'ai vendus, 5, Picasso, enfin, une énorme collection d'art, mais dans tous les domaines, qui sont des peintures, des objets, ou quoi que ce soit d'autre, des meubles. Et puis aujourd'hui, moi, je poursuis ça, mais ça, c'était une chose à part. Ce n'est pas une chose que j'ai faite avec Yves. Ma bibliothèque, moi, je suis un bibliophile, et à mon tour, je me débarrasse de tout, parce que je veux me débarrasser de tout. Grâce à la culture, je viens de vous le dire, nous avons pu mener deux chemins de front. Un chemin que Yves a mené professionnel et un chemin que nous avons mené privé de collectionneurs. Ça, pour nous, la culture a été, par exemple, c'est nous, Yves et moi, qui sommes à l'origine, en grande partie, en majeure partie, de la naissance de l'art déco. Bah, nous avons passé des années à chiner de l'art déco, à aller, il n'y en avait pas beaucoup, à aller chez les 5 marchands qui avaient aussi le courage de faire de l'art déco. Alors on a remis des gens à la mode, Ruhlman, Charot, et j'en oublie, il y a des meilleurs. Voilà. Et ça a été très important. Et ça a beaucoup, beaucoup solidifié notre couple. Je crois. Je repense à ces années-là, qui étaient les années importantes. On va arriver au gaullisme, c'était les années importantes. La 4e République venait de s'effondrer. De Gaulle avait été, en 1958, quand j'ai connu Yves, de Gaulle avait été rappelé à Matignon par le président Coty. La France était en train de changer. Elle allait changer sur tous les plans. Je ne pensais pas qu'elle allait changer au point où elle a changé aujourd'hui. Parce qu'il y avait des non-dits, il y avait des choses qui se toléraient, il y avait des choses qui étaient interdites. Il aurait fallu, par exemple, on dit que Mitterrand a dépénalisé l'homosexualité, c'est faux. Il n'a pas dépénalisé l'homosexualité, il a remis l'attentat à la pudeur au niveau de l'hétérosexualité, qui avait été changée par le maréchal Pétain. Il fallait attendre les 21 ans, et avec Mitterrand, c'est revenu normal. Mais nous, on n'a rien décidé, vous savez. On ne s'est pas réunis un jour en disant « Petite plan de bataille, bataille navale, qu'est-ce qu'on fait ?» Et quel jour, et quel rôle on joue? Et quelle importance on va avoir? On n'a jamais su, on n'a jamais voulu jouer un rôle, on n'a jamais voulu avoir d'importance, mais, et on n'a pas décidé, mais on a vécu. Et vous ne m'auriez pas fait vivre dissimulé. Vous ne m'auriez pas, pour rien au monde, fait vivre caché, mentir, dissimuler, me cacher, jamais. Et Yves, c'était pareil. Donc on a vécu la vie d'un couple normal. Ça plaisait très bien, ça plaisait pas, ben, tant pis. Ben, apparemment, ça déplaisait pas, parce qu'on était reçus partout. Et puis, vous savez, je connais la lâcheté des gens. Je n'ai pas découverte aujourd'hui, je connais le goût des people, je connais les célébrités attirent les gens comme le miel les mouches. J'ai jamais eu de doute là-dessus. Puis bon, j'avais aussi d'autres exemples. Il y avait Cocteau, il y en avait d'autres quand même. Donc, et puis, je vais vous dire, moi, je suis très heureux quand quelqu'un m'arrête dans la rue. L'autre jour, je suis à l'opéra, j'ai deux types qui viennent me trouver, une cinquantaine d'années, ils me disent, nous venons pour vous remercier. Vous me remerciez de quoi? De toute votre vie. Parce que nous sommes mariés maintenant. Tout ça, c'est vous qui nous avez permis en grande partie de le faire. Un jour, Jean-Paul Gauthier, que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais, mais je n'avais jamais vu, appelle ici, il dit qu'il voudrait m'inviter à déjeuner. Je suis très flatté, très content. Et je vais déjeuner avec Jean-Paul Gauthier dans un restaurant par là. Je croyais qu'il voulait me parler de mode. Pas du tout. Il voulait me dire, je veux vous dire que c'est grâce à Yves et à vous qu'à 15 ans, j'ai pu m'assumer. Ça me touche énormément. Moi, je n'ai pas eu ces problèmes, parce que je n'ai pas eu ce problème dans ma famille. Du tout, du tout, du tout. Mais j'en connais qui ont eu des problèmes. J'en connais qui ont gâché leur vie. J'en connais même qui se sont suicidés. Alors, je suis assez fier, assez content, quand je pense que, et je vous le répète, on ne l'a pas voulu. Et après, vous savez très bien que j'ai créé un journal qui s'appelle Têtu, vous savez tout ça. Et après, j'ai considéré, et puis que je me suis engagé dans le sida, dès 1983, c'est-à-dire au début. Et après, je me suis engagé pour des causes comme ça. Et je pense qu'il fallait le faire. Je suis contre le communautarisme, totalement contre, mais je suis contre tous les racismes, l'antisémitisme, évidemment l'homophobie. Je suis contre ce qui est contre moi. Je suis, vous savez, je suis d'origine anarchiste et j'y tiens. Et je suis pour les libertés. Je suis un homme de gauche et j'y tiens. Je vous dis, je suis un homme de gauche et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, un candidat, très bien habillé d'ailleurs, puisse s'appuyer sur la manif pour tous et sur le sens commun, qui n'ont pas de sens commun, ce qui est une chose d'un tel réac, et qui se permet d'être contre Marine Le Pen. Ils devraient fusionner, ces gens-là. Ils devraient fusionner, ces gens-là. Et vous savez, quand je fais allusion à ces années-là, ces belles années, je ne pensais pas qu'un jour, on serait au bord d'avoir le Front National, Trump en Amérique, et n'oublions pas Daesh ailleurs. Parce que les religions, c'est ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire. Écoutez, puis je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un retour en arrière. Quand je pense aux combats qu'on a menés et qui se sont menés avant moi, quand je pense aux combats depuis longtemps, je ne parle pas des Lumières et de la Révolution, etc., mais depuis des combats plus politiques, depuis 1905, quand je pense à la séparation des Églises et de l'État, quand je pense après à tout ce qui s'est passé, à l'arrivée du Front populaire, à la Résistance, quand je pense à ça et que je vois dans quoi on est tombé aujourd'hui, les discours qu'on tient et qu'on fait tenir, parce que ces gens sur les réseaux sociaux m'insultent, ils me prêtent des propos que j'ai jamais tenus, et